Yo. Yo. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Dodgeball Academia. La dernière fois, on avait réussi à arrêter les robots. Et on avait gagné notre match au tournoi. Donc, fichier là. Hop, on est parti. Attention. Oh, ma vie est bonne. Bonjour. Salut, mec. La cote prévue aujourd'hui. C'est le cours de Fortunato. Aujourd'hui, mon préféré. Oh, je vois, le vieux professeur, c'est ça? Je parie qu'il a vu des techniques de dingue dans sa vie. Allez, j'ai hâte du coup. Hâte de découvrir toutes les connaissances qu'on va recevoir. Si ça peut m'aider à ce que mon père me lâche clair. Oh, tu te fiches des connaissances, hein? Où est notre bébé? What? Quel est cet embrouille? Eh, hey, bonjour! Salut, on va en classe? Nous aussi? Salut, Otto! Tu veux que j'aille déglinguer la voiture de ton père, peut-être? Évitons les actes potentiellement criminels pour l'instant. Pour l'instant? Compris. C'est d'un ennui! Tout comme nous! J'imagine. En route pour un autre cours théorique. Le dodgeball, c'est d'abord de l'action. Comprendre la théorie est primordial pour prendre l'ascendant à n'importe quel jeu, Mina. S'il te plaît, tu peux laisser les leçons aux enseignants. Faut toujours pas monter? Non. Mais bientôt, oui. Enfin, je pense. Eux racontent toujours la même merde, j'en suis sûr. Et donc, comme à chaque fois, toujours pas de courrier, non. Avant d'aller en cours, on va péter des gueules. Je veux devenir historien du dodgeball, comme le professeur Fortunato. Mais d'abord, je dois t'enseigner une leçon de combat de dodgeball. Non, on va t'enseigner quelque chose de fondamental du dodgeball. Merci. Ah oui, je suis ralenti. Hop. Ouais. Pétage de gueule. En règle. Je devrais me contenter de lire des livres. Ouais. Hey, Bleuzaille, je crois qu'il est temps pour toi d'affronter un véritable adversaire. Bah d'accord, vas-y. Alors déjà, c'est moi qui ai le ballon. Feu! Ah,
Ah, mais... J'appuie trop tard. Je n'ai jamais dit que je serais ce véritable adversaire. On va aller voir là-bas. Toujours fermé. Ouais. J'ai besoin d'un bon combat pour perfectionner mes compétences. Voilà, ça c'est bien. Le mec il dit pas ouais, je vais te péter ta gueule, machin, tout ça. Non, il dit qu'il a besoin d'un bon combat pour... J'allais dire qu'est-ce qu'il fout à côté de moi là. Oh là, le double tap. Il me jette son ballon, je lui mets dans la gueule et juste après, bam, je lui renvoie. Ah, du pudding au lait. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Ah, oh, bah c'est rare que ça se passe comme prévu. Hein. Ça se saurait. Enfin, en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme prévu. Il y a eu une agression, je l'ai battu. Tu sais l'heure qu'il est? Ouais, l'heure d'aller en coup. Ah! Ils ont des ballons chewing-gum et tout maintenant. Non mais c'est quoi ce délire? Je voulais juste savoir l'heure. Je crois que je suis en retard pour les cours. Ah, on t'a pété la gueule pour rien. Bon, c'est pas grave. Allez. Excuse-moi, tu veux bien te battre? Ah là, lui il demande. Bon, on peut pas dire oui ou non, mais voilà. Oh, tu m'as bien. Oh, joli. Ah.
J'adore, elle tape tellement fort et tellement vite. Bon. Il y a presque plus de vie. Avant d'aller entamer les autres. Excuse-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ah, il faut que je change de mat. J'ai mal dormi et j'ai mal à mon épaule. Ouais, on va aller voir infirmière Joël. Poum 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 poum. Allez. Hors de question que je perde face à toi. Ah mais oui, je suis con. Encore du mal à me dire, il faut que je retienne un peu mon coup pour la battre. Alors, Baudruche a pris... Quoi ? Alors, conchiophile. Ta force augmente lorsque tu tiens 3 ballons ou plus. Ouais. Ok, désolé d'avoir douté de toi. Si je te bats, tu devras m'acheter une mini tourte au poulet. Ah, trop tôt.
Le robot est trop long. Alors, Mina a pris multiplicateur de tension. Ton contre gagne un bonus de force. Pardon, ça c'est cool. Ah, heureusement que je n'avais pas promis de t'acheter quelque chose si je perdais. Je croyais que j'aurais pu lui dire, hé, tu veux une tarte au poulet? Alors, où es-tu? Là-haut. Sur le terrain? Ah si, sur ce terrain-là, ok. J'adore le jus de fraise, ça me rend plus fort. Bah, on va voir si t'en as pas mal mangé. Ah bah oui, moi c'est j'ai le truc ultime. Moi. Otto a appris grand embrasement. Ton ultiball prend de l'ampleur. Oh. Pas assez fort, il me faut plus de jus. Allez. Infirmière Joël, encore un combat qui va être là qui va valoir le coup. Et puis après on va en classe. Putain, dès le matin on se bastonne déjà à l'infirmerie et tout. Sacrée école. J'ai une nouvelle botte secrète, prêt à m'affronter? On garde. Pardon. Oh, monsieur veut m'électrocuter. Bon, par contre, j'ai balancé tous mes balles. Oh, la vitesse qu'il a. Hop, dans ta margoulette. Oh, mais t'es magnifique, toi. Oh, pas là. Je me suis fait défoncer. Eh oui, retour à l'envoyeur. Alors, Suneko a appris attaque perforante. Son ulti-ball transperce maintenant les adversaires. Son ulti-ball a été déjà ouf, mais là. Oh, bien joué!
Je vais m'améliorer, reviens me voir. Tu as obtenu jus de pêche. L'école, machin, ouais. Autant être frais, hein. Je sais jamais. Hop, infirmière nouvelle. En plus, c'est gratuit, je vois pas pourquoi je me priver. C'est comme quand, je sais pas moi, tu vas là. C'est comme quand tu vas te soigner et tu sors, tu tombes sur ton rival et tu gagnes et puis hop, tu dis bah tiens, je vais retourner à l'infirmerie. Puis on est parti. Alors, où est le cours? Est-ce que c'est ici? Non, ici c'est le singe. Tranche d'ananas. Ça j'ai déjà fait. Ah non, ici c'est lui. Ici c'est l'agilité. Donc ici c'est la théorie alors. Ah ouais, c'est là. Tout le monde est là? Bien. Nous allons faire un cours légèrement différent cette fois-ci. Vous êtes un groupe d'élèves à part, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Eh, vous entendez ça? On est spéciaux. Oui, mais peut-être pas dans le sens que tu imagines, Otto. Vous êtes tous trop toniques et pas assez concentrés. Vous êtes comme des chiots. Avec leurs petites dents, leurs grands appétits et ses oreilles tombantes. Qu'est-ce qui va à Gwyn, là? Poésie du professeur Fortunato. Je ne m'attendais pas à une journée si captivante. Sur ce, j'ai décidé qu'aujourd'hui serait l'occasion parfaite pour vous présenter les baby balls. Elles sont trop mignonnes. Eh ben dis donc, Mina. Si l'un de vous mentionne que j'ai dit ça, je joue au dodgeball avec ses globes oculaires. Mademoiselle Mina, évitez de menacer vos camarades pendant les cours. Ou tout court d'ailleurs. Bref, ces baby balls viennent de l'un des centres de recherche où je travaille. Pour ce devoir, vous allez former des binômes reprenant les codes de la famille et les baby balls seront vos enfants. Je pense que ce sera un excellent exercice pour renforcer les liens entre vous, mais aussi améliorer votre concentration et vos attentions. Espérons-le. Vous êtes évidemment tenu de prendre bien soin de ces baby balls. Alors ne jouez pas avec. Ce ne sont pas des jouets de dodgeball. J'espère les retrouver dans un état impeccable d'ici la fin de la journée. Hey, Baudruche, on se met ensemble? Ah d'accord, je serai le père au foyer et toi tu seras trader en dodgeball. Ouais, vive les transactions risquées. Hein? Et moi alors? Sans vouloir te vexer au tout, je parie que tu vas carrément oublier ton bébé quelque part. C'est plus que prévisible, désolé, mais j'aimerais une bonne note. Bien, ben, je me mets avec qui alors? Otto, Nino, venez ici une minute, je vous prie. Le reste de la classe peut partir. Veuillez apprendre bien soin de vos baby balls. Bah pourquoi on n'a pas... Oh non, je me mets pas avec lui. Imagine, au vu de vos ulti-balls qui brillent par leur originalité, ou plutôt par leur absence, que vous devriez former un binôme pour ce devoir. Eh, je suis désolé, mais moi j'ai une ulti-ball qui claque. Hein.
Nino, ce petit bébé à tes yeux. Professeur, il faut vraiment que ce soit lui. Eh bien, tu ne cesses de regarder tout le monde. Et Otto n'a pas de partenaire. D'accord, alors on fait quoi maintenant? Moi je pense qu'on devrait se nourrir. Bébé Sphéricus a sûrement faim. Ce n'est qu'un prétexte pour aller à la cantine, pas vrai? Non, c'est un moment privilégié en famille. Peu importe, je te suis. Tu as l'habitude de toute façon. Prenez bien soin de vos baby-vols. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ce cours pourri? Déjà d'une. Je vais aller voir sur le top. Et de deux, pourquoi je suis avec lui? Moi je voulais avec, je sais pas, Suneko. C'est ma pote. Y'a rien à péter ici, on se casse. Bon, bah on va aller voir la dame de la cantine. Je crois que je vais acheter des mini tourtes. Tu préfères quelle garniture? Je m'en fiche. Quelque chose ne va pas. Quelque chose? Je suis venu ici pour devenir un grand joueur. Tout ça pour dorloter cet affreux ballon vivant avec une demi-portion. Alors oui, tout va bien, c'est la joie. Voilà, du calme, ne crie pas devant bébé Globulus. Ouais, mais en même temps, si tu changes son nom tous les 5 minutes, tu t'amuses bien là, pas vrai? Écoute, on ne va pas se battre devant le bébé, alors assieds-toi là, et on en discutera au déjeuner, d'accord? très bien. Il est parti avec le bébé. Bonjour! Le fauteur de trouble. Tu veux juste une mini tourte au poulet, d'accord? Bien sûr, ça ferait 899 $. Elles sont dolées à leur faim ou quoi? C'est pour me venger de la dernière fois. Ah, allez quoi? Hé, qu'est-ce qui bloque? Les prix ont grimpé, c'est pas abordable avec un salaire d'étudiant. Quoi? Comment on est censé nourrir bébé Steve? Qui est Steve? Ah, Sphéricus! Je n'ai pas accepté de... Ferais mieux de rappliquer. Tu ne peux pas acheter un petit quelque chose? Pas à moins que l'un de nous apprenne à changer la morve en or. Je vais acheter à manger avec mon propre argent. Waouh, ils sont branchés. Si seulement ma famille pouvait m'envoyer un peu d'argent aussi. Non. Ne laissons pas notre devoir sans surveillance trop longtemps, on devrait aller le retrouver. Et voilà, il est plus là. Estebol ! Il est parti. Tu as choisi un nom déjà ? Je n'arrive pas à me décider. Mais on a des choses plus importantes sur le feu. Il n'y a pas dû partir très loin, allons le voir dehors. Pardon. On nous a volé Estebol. Hey, tu n'as pas vu quelqu'un prendre un baby-ball à la cantine? Non. C'est quoi un baby-ball? C'est un fromage? Un baby... Attendez, en fait, si. Super, de quoi il avait l'air? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Mais moi, je sais c'est qui? C'est Vampy, sûrement. Comment vous avez fait pour oublier votre bamba sur une table de cantine sale? Bon, c'est pas tout.
J'ai des choses à faire, bonne chance. Bon, ça nous avance pas des masses. Par contre, il a un très beau menton. Elle n'a pas pu partir toute seule en roulant. Quelqu'un a dû l'enlever. Eh, c'est eux qui m'ont piqué. Eh, c'est vous deux, vous avez volé notre baby-ball. Oula, tout doux, cow-boy. T'as pris une dodgeball dans le crâne ou quoi? C'est notre baby-ball. Alors, qui voudrait nous dérober notre baby-ball et ne m'a pas fait 50 000 seuls coups? Est-ce que ce serait Chester? J'avais même pas vu. Des heures à perfectionner la furtivité pour rien. A priori, ce n'est pas n'importe quel de tes nombreux ennemis. Il nous faut quelqu'un qui s'y connaît en enquête, surveillance et chasse à l'homme. Bah voilà. Et Otto, et le grincheux. Et le benet aussi. Oh là là, je suis tellement content de te voir, on a enlevé notre bébé. C'est pas vrai, Otto, comment tu as fait pour le perdre aussi vite? Je viens acheter des aliments pour bébé et j'écope d'une enquête policière. Signale plutôt la disparition du bébé à la surveillante. Hors de question, ce serait admettre qu'on l'a perdu, un zéro assuré. Il a raison. Très bien, je vais t'aider justement, j'ai été détective privé spécialisé dans les enfants perdus. Pas si vite. Un zéro, dis-tu? Ça m'intéresserait. De voir Otto se taper cette note, bien sûr. C'est pas le moment, il faut qu'on sauve notre sport chéri. Et moi, je dois montrer à bébé Dingo combien son papa est fort. Ah, il veut se battre. Et Nino, on aurait besoin d'un coup de main. Non, je fais pas partie de la même équipe, débrouille-toi. Et a évolué l'enfoiré. Comment ça se fait que j'étais collé? Il m'a défoncé. Et là tu vas mourir. J'aime pas lui, il a des coups bizarres. $5. Regarde Dingo, regarde comme tes papas courent vite. Ah, j'allais dire, il a oublié son ballon. Ok, on doit agir vite. Est-ce que vous avez vu quelqu'un s'approcher de votre baby ball? Georges était là avec son fabuleux menton. J'imagine qu'il travaille tous les jours pour entretenir ce chef-d'œuvre. Dis Nino, tu crois que je devrais faire de la gonflette de menton pour avoir une jolie fossette?
Pourquoi tu me demandes ça? Concentre-toi sur notre affaire. Tu t'occuperas de ton menton une autre fois. Est-ce que Georges a dit quelque chose? Oui, qu'il n'avait rien vu d'extraordinaire. Tu n'as peut-être pas posé les bonnes questions. Aujourd'hui, il n'est pas de service à l'accueil. Alors il doit être avec le professeur Fortunato. J'ai entendu dire qu'ils jouent souvent aux cartes de dodgeball ensemble. Retournons dans la classe du professeur Fortunato, voir si on peut le retrouver. Entendu. Par contre, au vu de mes blessures, on va aller chez l'infirmière Joël. Ouais, mais il joue avec le professeur Fortunato. Si on va le voir et on dit hey, le ballon, le baby ball machin, là, tu vas dire hey, ah, tu tombes pile. Tu es sûr, Mina? Je ne veux pas contrarier le bébé. Mais t'en fais pas pour ça, il ira bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de combattre Otto. Et puis je tiens à utiliser cette baby ball en combat. Prépare-toi. Quoi, on va se battre avec baby ball? Ça va marcher. On va clamser. Ils ont tout le temps des super. Suneko a appris coup technique. Ton contre chargé démarre plus rapidement. Ah, ça c'est cool ça. Joli auto. Et je savais que ce serait pas facile, mais là tu t'es surpassé. C'est comme quand j'ai perdu un match contre Pixie. Je suis remonté à bloc. Allons nous entraîner, Baudruche. D'accord, mais n'oublions pas le devoir principal du jour. Attendez, je bois un coup d'eau. Non, ça doit être...
Ça doit être dans la classe. Et attendez, je viens de me dire qu'on ne peut pas entrer. Le professeur remarquera à coup sûr qu'on n'a pas notre baby-ball avec nous. J'irai seul dans ce cas, vous attendez ici. Alors Nino, tu as trouvé une autre équipe? Non, j'en cherche encore une. On a la place pour de nouveaux membres, tu sais. Baudruche et Sudeku sont super intelligents, ils vont... Arrête ça, je ne veux pas de ta pitié. Je ne suis pas le bouche-trou qui viendra colmater ton équipe d'auto. Je suis là pour me faire un nom. Je pensais juste... Oublie! Penser, ça ne te va pas. Comme tu veux. Georges est à l'intérieur, mais le professeur est parti chercher des documents. On peut entrer, poser quelques questions et sortir avant qu'il revienne. Il s'est passé un truc entre vous deux? Non, allons-y. Salut Georges, Otto a quelques questions à te poser. Écoute, je sais qu'on en a déjà discuté, mais tu n'as vraiment vu personne prendre notre bébé. As-tu vu quelqu'un de louche aujourd'hui? D'où tu tiens ce menton? Non, vraiment. Allez, réfléchis bien. Désolé pour le retard, Georges, il fallait que je... Vous cherchez quelque chose, jeune gens? Tu déco. J'ai vu Kiabou s'occuper de votre bébé toute seule. Veille à lui donner un coup de main. Et vous, les garçons, où est votre bébé? Ah oui, il est à la crèche. Ah, c'est donc ça. Je sais ce que c'est. Quand on est jeune parent, on a besoin d'un peu de temps à soi. Et alors? Oui, pouvez-vous nous laisser? Je dois discuter de quelque chose avec Georges. Veuillez essuyer vos chaussures la prochaine fois avant d'entrer. Il y a du sable partout, c'est dégoûtant. Bien sûr, désolé, on s'en va. Retrouvez notre bébé. C'est pas passé loin. Je n'ai pas de sable sous les chaussures. Ouais, bizarre. Je vous ai pas balancé. Mais vous avez intérêt à retrouver ce bébé rapidement. Et regardez, c'est lui qui laisse du sable dans son sillage. Mais d'où provient-il? Je ne vois pas d'endroit autour de l'école où il y a du sable. Ça doit avoir un lien avec l'enlèvement. Ça m'a tout l'air d'être un indice. On devrait faire examiner un échantillon de ce sable au labo, comme d'habitude. Le Kodak, échantillon de sable. J'ai un échantillon. Allons le faire analyser. Ah, c'est dans la forêt. Je vais aller voir infirmière Joël parce que... Je sens qu'il va y avoir du combat. Fortunato nous apprend à devenir de meilleures personnes en plus de joueurs de dodgeball aguerris. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Bah, vas-y, viens. Que dalle.
ça, je me suis pris les trois. Ah voilà. C'est quoi ce terrain là? Et pourquoi mon feu il brûle pas tout? Par contre le truc, le fait qu'on soit séparés, c'est chiant. Les autres ils vont perdre en truc. J'ai encore temps à apprendre. Ah oui, c'est là, il faut enlever l'arbre en fait. Pour que je puisse passer. C'est pas ici, non? Comment on descend par ici? Ah bah oui. Eh, tu n'aurais pas vu ma baby ball? Lui aussi il a perdu son baby ball. Ah, j'en ai attrapé un. C'est déjà pas mal. Je me fais tellement de soucis. Hors de question que je perde face à toi. Comment ça? Quelles sont ces insinuations? Ok, désolé d'avoir douté de toi. Hop. Il m'en reste deux, mais faut que j'aille remettre de l'énergie, donc on va aller ici en premier. Oui. Je montre à ma baby ball comment démolir ses adversaires. Tu feras un parfait exemple en garde. C'est quoi ces manières? Thank you.
Ah oui, mais... Je fais n'importe quoi. Je saute des fois pour activer mes ballons et... Enfin, pour... J'avais même pas de ballon dans les mains. Voilà. Non, mais dis donc. J'aime pas... C'est horrible, leur terrain avec des hautes herbes. Ah, et j'espère que ma baby ball ne regardait pas. Faisons un match, je vais devoir te battre si je veux avoir une chance de vaincre Boris un jour. C'est vrai que Boris s'est tendu, hein. Je voyais rien du tout. Je suis à des années-lumière de battre Boris, pas vrai? Ouais. Bon, allez. On se soigne. Et on analyse le sable. Alors, ton expression m'indique que tu as besoin de la science aujourd'hui. Oui, tu peux analyser cet échantillon de sable? Bien sûr, c'est pourquoi. Ce sable pourrait nous mener au kidnappeur de notre baby ball. Pourquoi voudrait-on enlever notre cher petit Orbitron? Eh bien, les baby balls sont des mets recherchés dans certains endroits du monde. De même, info science random, il existe un mélange de café dont les fèves passent par le tube digestif d'une baby ball. Quoi? C'est du café de leur caca. Selon certaines rumeurs, cette boisson peut faire des miracles jusqu'à amplifier les ultiballs. Rien de prouvé spécifiquement, scientifiquement bien sûr. Très intéressant. Ce qui a bien été prouvé, c'est qu'elle est assez nocive pour l'estomac humain. Super, notre kidnappeur est un taré. Info science random numéro 2, les baby balls sont également très chers à produire. Un taré cupide? Ouais bon, et les résultats d'analyse? Ça va prendre quelques heures. On n'a pas tout ce temps, on doit rendre le baby ball en fin de journée. Info science random numéro 3, il ne faut pas brusquer la science mon pote. Il y a un endroit où on pourrait chercher des indices en attendant. Ah bon ça? Je n'ai pas très envie d'y mettre les pieds. Pourquoi pas? Tu peux pas faire une exception, c'est une urgence. Je suis sûr qu'on n'a pas besoin d'aller là-bas, Suneko. Non, Nino a raison. On doit le faire. L'accès se fait par le parking, en revanche. Le professeur Makako devrait avoir la clé du portail d'entrée. Génial, allons le harceler. Hey, Nino, tu viens? Hein? Ah oui, je vous suis. Auto, je crois que
L'espace de loisirs est maintenant accessible. C'est quoi l'espace de loisirs? Ah, ça veut dire que maintenant on peut passer par là? Est-ce que ils ont enlevé tous les morceaux de bois là? On va voir. Je vais voir vite fait. Oh là, j'ai envie d'éternuer. Alors. Ici non. Et là non. Ok. Il n'y a que là-bas pour faire un raccourci, donc ça c'est cool. On n'est plus obligé de se taper toute la forêt pour aller jusqu'au labo de science. Sauf que moi j'irai toujours combattre les méchants. Hein. Et j'ai toujours pas la clé hein, pour les coffres. Je sais pas comment ça s'ouvre. Peut-être bientôt. Ouch. Alors, macaco. Faisons un petit match avant le début de mon cours. J'ai perdu toute mon énergie. J'aurais dû rester à la maison devant la télé. Ah, des élèves. Professeur, j'ai plus cher pour vous. Si on pouvait faire vite, Dodgeball, gloire et beauté, ma série favorite va commencer dans quelques minutes. Dans cet épisode, Don Miguel pourrait déclarer sa flamme à Luis, le trapéziste du cirque. C'est un feuilleton? Oui. J'ingurgite un tas de protéines pour nourrir mes muscles et je regarde des feuilletons pour nourrir mon âme et mon cœur. Professeur, nous devons accéder au parking. Au parking? Oui, le portail d'entrée doit rester fermé. Ou quelqu'un pourrait démolir toutes les voitures sur place. Je devrais pouvoir faire une exception pour vous si me prouvez que vous vous entraînez assidûment. Donc vous nous mettez à l'épreuve. Un test de puissance de musculature.
Alors vous êtes prêts? J'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Ah, j'ai plus d'énergie. Il me fait un truc à la Street Fighter. S. Pourtant, je me suis fait défoncer. C'était plutôt pas mal, Otto. Ah, c'est bon, ce n'était pas si éprouvant. Pourquoi on faisait tout ça déjà? La clé du portail d'entrée. Ah oui, tenez, la voici. Dodgeball, gloire et beauté va commencer. Super, on a la clé. Ça va là-bas, Otto? Professeur, je ne comprends pas, vous n'en aviez pas marre qu'on démolisse toutes les voitures dans le parking? J'en ai marre de voir des gens se débrouiller si mal pour démolir des voitures. Si jamais vous vous lancez dans le vandalisme, au moins vous saurez comment faire. On n'a pas le temps de bousiller des voitures, notre baby-ball a besoin de nous. Très raisonnable de votre part. De notre part. Je vais en profiter pour passer par l'infirmière Joël. Ouais, je suis mort, je suis dans la sauce. Et c'est parti! Libertado! Oh, le monde qui est dehors qui veut se bastonner! On cherche quoi exactement, Suneko? On m'a dit que l'entrée devait être bien dissimulée. Il faudrait passer par les égouts. C'est dégueu! C'est l'idée! Poignée de main électrique. Alors, poignée de main électrique, équipement. Poignée de main électrique inflige une malédiction aux adversaires ayant subi des dégâts, ce qui les empêche de récupérer des PV. Eh mais toi t'as pas de truc toi. J'aurais bien mis
de l'agilité, mais... Peut-être lui mettre de la force. Je vais les affronter, hein. D'abord je cherche les... N'est-ce pas un merveilleux jour pour se battre? Ça fait fesser quand même, hein. J'ai perdu pas mal de vie, hein. Un merveilleux jour pour se faire battre. Et là, c'est les zigoules. Ok. Alerte intrus. Je me suis fait retourner. Ah, j'ai été collé. Je vais aller chez l'infirmière Joël. Je peux pas rester comme ça, je vais me faire défoncer. On va dire que c'était une fausse alerte. Il n'y a pas beaucoup de trucs à péter, je pensais qu'il y aurait eu plus de trucs. Plus... Ah, voilà. Un anneau rose.
Qu'est-ce donc? Immunise contre les gommes collantes. Ah, ça c'est génial ça. D'abord, je reviens, je vais aller chez l'infirmière Joël. Putain, c'est con qu'il y avait... j'ai pas toute mon équipe avec moi. En même temps, j'ai l'impression de faire un combat dans les hautes herbes. Aller voir, j'ai l'impression de faire un combat, aller voir l'infirmière, un combat, faire l'infirmière. Je sais, j'ai des trucs à bouffer, mais ouais, je vais bouffer des trucs. Eh, tu n'aurais pas vu mon baby ball? Ah, lui aussi. Le problème, c'est qu'on va aller dans le truc et on va découvrir que le mec qui a des baby balls, en fait, il y en a qu'un, il y a que nous. Là, tu fais ça. Oh, le baby ball, comme le truc, pas le baby ball, mais la dodgeball collante, comment ça fait des ravages quand t'es sur les voitures. Passe la main, hein, maintenant. Ouais, je vais lui donner un truc à bouffer, j'ai plus que 11 points de vie. Je me fais tellement de soucis. Moi aussi, et pour le mien. Alors, il aime bien. À manger pour gagner 75% de TPV, ben voilà. En plus, il aime bien. J'ai beaucoup peaufiné mon esquive au cours du professeur 4. On va voir ce que ça donne. Faut tirer. Oh là là, le mec il jette sous la voiture. Pénible.
L'impression que les Dodgebots sont encore plus cons que les PNJ. J'ai pas réussi à l'esquiver celle-là. Les entrées. Oh, attendez. Voilà. J'adore son ulti. Allez. On se renourrit. Alors. Pizza au ketchup. Voilà. Maintenant c'est toi. Boisson énergisante. Ça n'a aucun effet. Ranime. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu. Voilà. Hors de question que je perde face à toi. Non mais dis donc, c'est quoi ces... La balle collante avec les voitures. Ça te défonce auto après concentration flamboyante. Ton tir chargé se charge encore plus rapidement. Ça c'est cool. Ok, désolé d'avoir douté de toi. Là il m'en reste deux. Faut aller dans le bus. Suneko a décidé de rejoindre ton équipe. Tu es devenu un digne adversaire. Chaque fois, je... me concentre sur le fait de tirer et... Désolé.
petit souci avec mon retour à chaque fois, mais bon. Oh, Suneco. Tu n'as aucune chance contre moi. Ah, on va voir. Ah, merde. Ah bah alors là. Qui passe, c'est cool. Là tu branles rien, hein. J'avais tort. C'est là. Ce passage est encore plus crade que je l'imaginais. Oui, ça doit être voulu. Tout le monde s'en tient éloigné. Mais hélas, je ne crois pas qu'on ait le choix. Bon, descendons. On va se remettre du... Alors, médicaments, ranime... Non. Ranime. À manger pour gagner 25%. On va regarder s'il n'y a pas mieux. À manger pour regagner 50%. Ben voilà. Oh là là, c'est quoi ça, un donjon? Ah, il y a un truc de deux joueurs. Ah oui, d'accord, il y a des mecs qui habitent là, enfin qui squattent là. J'ignorais totalement qu'un tel endroit existait dans l'enceinte de l'école. Les surveillantes ont leur activité à l'œil depuis un bon moment. C'est le repère le plus cool que j'ai jamais vu. Je veux habiter ici. Eh, ne reste pas là à baver comme ça, le propriétaire des lieux est dangereux. Prenez l'air adulte et restez vigilant, compris. S'il voit qu'on est que des enfants, il nous dévorera tout cru et recrachera nos os. Eh, vous voulez goûter notre sélection spéciale de jus de fruits? Notre pote Big Tony peut vous faire ça en un rien de temps. Ils ont un truc d'arène de dodgeball. J'ai hâte que ce soit mon tour dans la fameuse arène de Big Tony. Rien de tel que de prendre quelques boissons et de regarder des combats dans l'arène. C'est le 20e soda que je bois pour essayer d'oublier les horreurs vues dans sur ce cours. Je me demande comment on joue ce truc. Mec, les tournois officiels, c'est pour les bébés. Les vrais matchs ont lieu dans le repère de Big Tony. L'an passé, j'ai gagné 50 canettes de Ball Cola en pariant que Boris perdrait moins de 5 PV par match. Cette année, je vais parier le double. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Augmente la défense de 30%. Ah! Pourquoi il me fait ça, lui? Je suis toujours en live, mais j'ai un problème avec mon retour. Il dit que j'ai des problèmes de connexion, je sais pas trop quoi. Ah, on peut aller là aussi, non? Excusez-moi. Je suis toujours connecté au moins. Ouais, je suis toujours en live.
Mon écran ne veut pas se charger. Une erreur réseau est survenue, veuillez réessayer. Pourquoi tu me fais ça, toi? Bon. Oh. Ce serait-il. Ce ser, non, ce serait-il pas mon bon ami Otto? Eh, ça fait un bail! Ça y est, je perds la tête. Qu'est-ce que vous fixez bêtement? Le petit Otto m'a sauvé les miches lors de cette attaque de robots la dernière fois. Alors lui et ses amis sont toujours les bienvenus ici. Vous faites quoi ici au juste? On cherche une baby-ball kidnappée. Ah oui, je sais peut-être quelque chose. L'information, c'est mon domaine. Cela dit, je peux pas dispenser ce que je sais gratuitement, même pour toi. Alors laissez-moi vous apprendre un bon truc. On organise des tournois underground ici. Ah, je ne rêve pas. Non, pas du tout. Underground, ça veut dire illégaux, toi? Ça veut dire illégaux, toi. On opère juste en marge des règles de l'école, vous voyez? Mais c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est votre baby-ball, décrocher une bonne note, tout ça. Alors, Otto, voilà le topo. Tu joues un match, et je te donne les infos, ça marche? Je suppose. Bien. Rends-toi sur le cours quand tu seras prêt. Pardon, hein, je réessaye, mais Hop. Allez. Oh, il y a Minou. Oh, salut. Je ne m'attendais pas à te voir ici, Choi. Bonjour, Big Tony a promis à Choi que c'était un bon endroit pour s'améliorer. Et maintenant, l'heure est venue. Je suis sûr que Mina me remarquera après t'avoir battu. Tiens-toi prêt, je ne me retiendrai pas. Ok, les gars, je vous rappelle juste comment les combats fonctionnent dans le coin. On joue sur un court ouvert. Pas de côté, vous pouvez envahir le terrain de l'autre équipe à volonté. Un duel à tabac, mais assez bavassé, place à la castagne. Quoi? Ça veut dire que je peux aller de son côté et... Ah oui, non, mais là, ça va être... Ça va être Bagdad. Mais bon, c'est chouette en même temps. Suneko a pris tentative audacieuse. Tu gagnes un bonus de force lorsque tu contres près du cours central. Ouais, mais ça me... Je m'attendais pas à un tel niveau, tu es doué. J'ai hâte de raconter ça à Mina. Vraiment? Moi j'ai perdu, je ne suis pas assez fort. Eh, ne dis pas de bêtises, tu as été génial. Mais tu lui trouves quoi, Mina? Quand Choi est arrivé ici, tout le monde le considérait comme une mascotte. La dernière équipe a même cédé Choi sur un pari. Mina a été la seule à traiter Choi en véritable athlète. Elle a même envoyé Choi à l'infirmerie. Choi est devenu un grand fan, mais sans trouver le courage de l'inviter à rejoindre son équipe. Écoute, tu pourrais nous rejoindre si tu veux. C'est une blague, personne ne prend jamais Choi au sérieux. Mec, je suis super sérieux. Tu as du potentiel, tu peux apporter beaucoup à notre équipe. Mais évite de trop embêter Mina, d'accord?
Je sais que tu l'apprécies beaucoup, mais parfois c'est un peu flippant, Popple. Elle te le rendra si tu la traites en coéquipière. N'oublie pas de respecter son espace. Choi comprend. Merci beaucoup, Otto. Je n'oublierai jamais cette chance. Je ne décevrai pas l'équipe. Ouais, Choi a rejoint mon équipe. Tu peux maintenant jouer, Choi. Quel match, les gars! Et quel joli moment entre vous deux! Ça te dit de devenir un habitué? Non, ça lui dit pas. On préférait simplement avoir l'info concernant le baby-ball. Oh, la petite dame ne pense qu'aux affaires. Eh bien, Big Tony tient toujours ses promesses. La baby-ball se trouve... Ah ah, pris la main dans le sac, Big Tony! Tu viens avec moi! Plutôt crevé que d'aller en col. Non, attends! Zut! Où est-ce qu'il a disparu? C'est une impasse. C'est l'un des 5 meilleurs jours de ma vie, facile. Hey, Suneco, qu'est-ce que tu fabriques ici? On fait des semaines. Ça fait des semaines qu'on espionne l'endroit, mais là, tu ne m'as pas laissé le choix. Le principal ne m'a pas ménagé. Pourquoi ne pas négocier avec Big Tony à nouveau? La dernière fois, ça a fait des merveilles, vous trouverez sûrement un accord. Écoute, ne traîne pas dans le coin, d'accord? Je vais voir si je peux le trouver. Ah non, mais on avait l'info, là, t'as le débarque. On fait quoi maintenant? Il s'est enfui au moment où il allait nous donner l'info. Je vais me cacher juste derrière le comptoir, viens ici. Je sais pas où elle est partie l'autre fois. La surveillante ne réussira jamais à m'arrêter. Big Tony, quelle était cette info sur la baby ball que tu allais nous confier? Ah oui, et bien vois-tu, les baby balls sont une denrée précieuse. Et il se trouve que je gère un marché clandestin où je le négocie à des prix très élevés. Et il y a quelque temps, on m'a annoncé qu'un vendeur souhaitait me refiler un tas de baby balls. Sauf que ce mystérieux complot n'est jamais... n'est jamais venu. J'étais très déçu. Un contrat en or. Ah, putain, excusez-moi, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai mal à mon épaule. Et puis il y a mon retour qui bug là, ça me saoule. Ah voilà, il est revenu. Alors tu ne sais pas qui était ce vendeur? J'imagine que l'enquête tourne court jusqu'à ce que le labo appelle, bien entendu. Super, notre vie étudiante est fichue. Ne sois pas si fataliste, sortons un peu. Allez Choi, je te suis Otto, miaou. Otto, je vends un tas d'autres produits ici sans chercher à te refourguer des trucs. Dis-moi simplement si ça t'intéresse. Ah vas-y, on va acheter. Hein. Augmente définitivement l'attribut force. La J. La technique. Les PV max. Ah ouais, en technique, elle est... technique c'est pas ouf Donne 500 XP. Ouais quand même. Augmente définitivement les PV max. C'est ça qu'il faut prendre à chaque fois. Je vais m'acheter un comme ça.
Donc d'après ce qu'ils ont dit, on doit retourner au labo, c'est ça? Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Vous et toi? Et disons que les temps sont durs pour les traders. Alors je cherche cet endroit clandestin pour me faire du blé et nourrir ma famille. J'ai entendu dire que Big Tony suit de près les élèves qui cherchent des petits boulots, comme dégommer des gens dans son tournoi illégal. Mina, notre bébé a disparu. Ah, salut les amis, vous avez sombré dans le crime, vous aussi? Attends, comment ça, disparu? Comment ça, disparu? Parti, envolé, pouf, a pu. Et tous les autres avec. Tous les autres? Ouais. Qui a beau? Je suis là, je suis là. Où se trouve notre bébé? Ça te démange de le savoir, quoi. Et moi donc. Attends, c'est quoi ce Beans? D'où sort Cabot? Hé, Cabot, tu étais censé veiller sur notre baby-ball. Tu l'as perdu, toi aussi? Tu es aussi manche que ça? Ouais. Comme tu dis. Ça commence à faire pas mal de monde. On était censé veiller les uns sur les autres, quoi, vous vous rappelez? J'ai besoin d'Aniki, ce que vous, les civils ordinaires, appelez frère. Jouer perso, c'est pas mon style. Mais ce que je déteste plus que tout, c'est les faux Aniki. Tu piges, quoi? Tu me lances un défi? Pour l'instant, on doit trouver des baby balls. Mais tu ne perds rien pour attendre. Ouais. Bon, on fait quoi maintenant? Je veux pas me taper un zéro. Hey, minute! Il y a une vague de kidnapping. Tu devrais protéger ta baby ball. Hein? Hey, c'est pas un peu louche ça? Si. En plus, elle traîne souvent avec Vampy. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? On ferait bien d'aller parler à Calamari. Un petit interrogatoire, peut-être. Et toi, Cabot, mène-toi de retrouver notre baby-ball. Pourquoi tout le monde est si dur avec moi? Qu'est-ce que vous voulez, marin d'eau douce? J'ai des devoirs à terminer. Et autour, on joue à bon flic, méchant flic? Dac, je fais le bon flic. Dis-moi, pourquoi as-tu toujours ta baby ball alors que tous les autres ont perdu la leur? Ouais, tu dois être une très bonne mère. Eh, c'est gentil, la mère c'est toute ma vie. C'est pas comme ça le bon flic, toi. Et si on faisait appel à un autre méchant flic? Je cherche pas à te défausser. Crache le morceau. Ah! Tu veux la jouer bon flic, méchant flic et deuxième méchant flic? Je connais, ça marchera pas. On a les moyens de te faire parler. Genre, te faire regarder la version Bollywood de ton anime préféré. Trois méchants flics maintenant? Ressaisis-toi, Calamari. Ces moussaillons peuvent pas te battre. À vous, on s'inquiète pour notre baby-ball. Un flic baudruche? Là, c'est trop pour moi. Attendez, c'est mon téléphone, il faut que je réponde. D'accord, je vois, merci. Calamari, tu peux partir, fin de l'interrogatoire. Dak, et arrêtez d'embêter d'innocents élèves, bande de tyrannie. Bande de tyrans. J'ai cliqué trop vite. Et il se passe quoi? C'est un appel du labo. Le sable vient de la playa de... Oh, pardon. La playa de la Quemada. Ils l'ont comparé à la base de données d'étudiantes. C'est de là que Calamari est originaire. Dû faire tomber du sable à la cantine en prenant Robold
Et puis Georges a marché dessus. Mais attends une minute, pourquoi l'avoir laissé partir alors? Otto, elle détient sûrement un tas de baby-balls. En la laissant partir, puis en la suivant, on pourra peut-être la localiser. Purée, c'est malin! Tout ce qu'on a à faire, c'est la suivre. Vite, venez tous. Ça fait du monde dans mes poches. Oh, regardez, elle est là-bas. Direction la forêt. La forêt. La 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 la. Ah oui, mais il faut que je la suis. Tiens, j'allais prendre le raccourci. Hein. Tu me cherches, tu me trouves. Oh, je vais lui défoncer sa tête, lui. Ah, trop tôt. Ok, lui il attrape aussi. Et il peut sauter. Ok, super. Merde, j'ai perdu Choy, pas grave. Oh joli. Ah, Choy. Belle perf. Choy est mort. On va le remplacer, ouais. Quoi, moi, baston maintenant? Les mecs, faut investir dans le dialogue. Ouais, je vais en profiter, je vais aller voir on va aller voir infirmière Joël. Puis on va remettre Choy. Parce qu'il faut qu'il monte il faut qu'il monte en énergie. En expérience. Merde, c'est pas là, c'est là. Vu qu'on a un nouveau copain, hop, hop. Là il est que 27. Ah, les autres sont... Attends, je peux l'enlever, lui? Ouais. Bah attends, on va faire ça. Voilà.
Ah, ils ont enlevé la poutre. Enfin, ils ont enlevé le morceau de bois. Elle est partie au nord, allons-y! Pain au fromage. Ouh. Ah ouais, là son camp et tout, d'accord. Ne bouge plus, tu es prise la main dans le sac. Pardon. Mince. Rends-les maintenant. Oye oye, bande de tritons. Mon grand-père. Qu'est-ce que tu racontes? Rends-nous ce qui nous appartient. Attends, laisse-la s'expliquer avec ses motifs. Mon grand-père, il m'a élevé. Il m'a appris un tas de techniques secrètes des sept mers. Un jour, il est parti trouver le terrible Krakuir. La légendaire créature marine capable de lancer 8 ballons en même temps. C'est ça, il a plongé dans les abysses, plein de dangers et de sel. Et il n'est jamais remonté. Voilà pourquoi je garde toujours du sable dans mes poches pour qu'il retrouve son chemin. C'est le sable qui m'a trahi, hein. J'aurais dû raccommoder ce trou dans ma poche. Je financerai une expédition avec ces gaillards, je me suis dit. Big Tony en donne un bon prix. Mais elles sont bien trop mignonnes pour être vendues. En effet. C'est sûr. Si ça ne tenait qu'à moi, je les garderais toute ma vie. Et moi aussi, frère de la côte. Mais il nous les faut. Enfin, je veux la mienne en tout cas. Vous voulez m'enlever mes gaillards? Dans vos rêves, Triton. C'est absurde. J'en ai assez de cette farce. Je récupère nos baby balls sur le champ. Farce? Je vais t'en donner de la farce, moi. Oh, il s'est fait expédier. Oh la vache. Le record de hauteur est battu, pas de doute. Aux armes, mes enfants. Pardon. Comment ça se fait qu'il est tout seul? Sus. Comment ça, sus? Je ne laisserai pas ces appâts à requin m'avoir. Elle me défonce. Alors. Ouais, quand même.
Vous êtes doué, parole de boucanier, mais je ne suis pas encore vaincu. Allez les gars, défoncez-la. Ah non! Terminé, on a perdu. On recommence. C'est le même dialogue. Ah bordel. Oh mais j'ai fait n'importe quoi, m'a défoncé. Voilà, dernière phase. Enfin, je pense. C'est bon, il a gagné le terrain. Oh. Choi a appris grognement menaçant. T'étire vite fortement la jauge d'ulti-mode adverse. Ah, c'est bien ça. Mina a appris entretien électrique. Ton contre gagne un effet électrique quand tu es proche du centre du court. Et on a eu un magnifique pendant. Décidément, ces babyballs en vaut de toutes les couleurs. Très bien, personne ne bouge. On dirait que l'affaire des babyballs arrive à sa conclusion.
Je vous remercie pour votre aide. Je vais aller rendre ces baby-balls au professeur Fortunato moi-même. Calamari, toi, tu iras passer quelque temps en col. En cale, hein? Prévisible, cette vigie. J'imagine qu'on a fait notre possible, les gars. Retournons en classe. Il va nous falloir expliquer toute cette situation au professeur Fortunato. Je vous ai convoqué ici car je suis particulièrement impressionné. Je vous remets des baby balls impeccables et vous me les rendez. Des tartines de baby balls? Oui, jeune homme, exactement. Regarde un peu l'état de ces pauvres créatures. Vous méritez tous un zéro. Quant à toi, Otto, tu as perdu non seulement ta baby ball, mais aussi ton binôme. Notre couple battait de l'aile. Si on tenait encore la route, c'était uniquement pour Richard. Je crois que rien ne tenait la route. Alors si tu veux un zéro, tu ferais bien de les retrouver tous les deux. Parce que là, il a moins de zéro. Pour l'heure, la note d'Otto est... un bon moins 15. Ouille. Ah, c'est pas cool, ça. Allez, on va t'aider à retrouver Nino. Oui, la journée n'est pas terminée. Les enfants, vous êtes en retard ou quoi? On sort juste de la classe du professeur Fortunato. Il faut qu'on retrouve Nino. La classe de Fortunato? Oh, alors c'est moi qui dois être en retard. Flûte. Enfin bref, je crois avoir vu Nino dehors. Ça rendait sûrement à la bibliothèque. Je suis dans ma classe, si jamais tu veux relever le défi d'esquive à nouveau, d'accord Otto? Merci prof. C'est cool, on a eu l'indice qu'on voulait. Attendez, je vais boire un coup. Voilà. On est reparti. Ah oui, ils ont tous perdu leur... leur truc. Ah d'accord, celle qui a le plus de force. Bon, je remettrai plus tard. Est-ce
Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Nino dans le parage? Ah bonjour, si je l'ai vu, il a emprunté un livre de fine cuisine ou un truc du genre, allez savoir. Ouais, c'est bizarre. La seule cuisine du coin, c'est la cantine, dépêchons-nous. Oh non, t'es sérieux? Non. Mais je vous paierai. J'ai dit non. Allez, ce sera un défi comme un test de vos talents culinaires. J'ai déjà largement mon compte de défi à vous donner avec T. Tu vas manger bébé ce... Sphéricus? Oh, c'est toi? Évidemment que non. Je vais pas le manger, je veux ce puissant mélange dont Noémie nous a parlé. Le café fécal, le café cal est capable de déclencher mes pouvoirs, là je pourrais tous vous affronter à armes égales. T'es dingue, tu as entendu ce que Noémie a dit? Ça peut te flinguer l'estomac. Tu sais Otto, tu vas devoir affronter Boris pour remporter le tournoi. Il te faudra de la puissance. Ne serais-tu pas prêt à tout pour accomplir tes rêves? Pour révéler ton véritable potentiel? On fait tout ce qu'on peut, mec, ça suffit, crois-moi. Et qui sait ce que cette nourriture de timbré risque de te faire? Si ça te donnait de grosses taches rouges sur le visage? Non, ça c'est la puberté. Je suis complètement largué et ça m'éclate. Sans moi, j'ai des limites moi aussi. Personne d'entre vous ne comprend. Ça doit rendre la baby ball tout de suite, sinon... Attends. On doit rendre la baby ball tout de suite, sinon nos notes... Je me fiche des notes. J'en ai assez des devoirs, mais de devoir m'expliquer. Oh là là. Rends-moi la baby ball. Ah, trop tôt. Ah oui, mais vous faites des... Salaud, vous faites des feintes. Merde, je voulais changer avec Choi. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ah oui, il a pas de super lui. Ouais. Ah mais j'ai des ballons déjà, tiens, avec... Pourquoi Otto? Que fais-tu sans arrêt sur mon chemin? On cherche à t'aider. Tu m'empêches d'être ce que je suis censé être. Quoi? Non, je veux juste t'empêcher de boire du poison. Allez, viens, on va t'aider à t'entraîner. M'aider? Je ne veux pas dépendre de vous, je ferai comme bon me semble. La vache? Quelle attitude? Pourquoi il est aussi hautain? On suit? Non, laisse-le. J'ai connu ça, il a besoin de se faire son propre avis, de décider quoi faire. Ramenons la baby, le petit Ballington en classe. Mec, tu veux bien choisir un nom définitif? Ouf, ma cafetière a eu chaud. Ah, le mec, il était prêt à boire du jus de cul de baby ball. Dégueulasse. Vas-y, il n'y a que des rebondissements dans cette école.
suis bourré de classe, c'est ici. Hé, hey, papy! C'est Baby Ball! En piteux état. Mais elle a l'air plutôt heureuse. J'ai dû lui prodiguer beaucoup d'amour. Au fait, j'ai choisi un nom. Il s'appelle Bob. Super! De tous les élèves, tu as été l'un des rares à nommer ta Baby Ball. C'est le propre d'un bon parent. Sincèrement, je suis impressionné, Otto. Je valide ton devoir. Yes! J'ai eu 0. Est-ce que ça veut dire? Oh non! Tu obtiens tout de même un 0. Ce genre de niaiserie ne marche pas avec moi. Bien tenté. Regagnons le dortoir. Je pourrai dormir pendant une semaine. Très bien les enfants, la journée a été des plus intéressantes. Yes! Je suis content, j'ai eu un 0. Il a voulu me filer un... Bonjour, je suis le standardiste. Il a voulu me filer à moins 15. J'ai réussi à rectifier le tir. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là en fait. Je vais aller au dortoir et puis fin de la journée. On a eu que d'aventures, en plus j'ai mal à mon épaule. Mais on a eu beaucoup d'aventures et là c'était cool. On a découvert un bar clandestin. Et donc, mea culpa en fait, c'était pas vampire pour une fois. C'était Calamari. Je pensais que c'était Vampy qui faisait tout son bordel parce que elle a le chip pour voler des choses. Je me suis dit c'est elle qui va refaire chez son monde. Mais en fait non. Salut Dark Miss, salut à tous ceux qui arrivent. Le live est fini et le modo il vient juste se pointer. Super. Donc l'épisode est plus court que d'habitude, mais j'ai pas envie de relancer parce que ça va couper pendant. On va couper pendant, je pense. Et puis j'ai mal à mon épaule. J'ai mal dormi cette nuit. Je pense que je dois changer de matelas. Ou faut que je dorme mieux dans mon lit. Je sais pas. Ah. Bref, on va sauvegarder. Dormir dans ton lit et terminer la journée. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Dors bien, Otto. Pardon. On a un match de tournoi à livrer demain. N'oublie pas. Ah, bah voilà. Pour la prochaine fois, on va avoir un match de tournoi et d'autres péripéties. Tant que ça implique pas de baby ball, je suis partant. Et en plus, on s'est fait un nouveau copain. Choi, tu peux aussi sauvegarder à n'importe quel moment depuis le menu. Oui, je veux sauvegarder. Je suis à 162 balles. Et on est 5 dans mon équipe. Donc... merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je sais pas si on va finir cette année. Ouais non, sinon on finira en début d'année et puis on verra bien de toute façon quand est-ce que ça se termine. Bah oui, bien sûr que c'était trop cool. Et c'est ça à chaque épisode. À chaque fois, il y a des péripéties, des rebondissements, des matchs de dodgeball, des ballons dans la gueule. Ah, bordel. Ah, j'ai mal à mon bras, à mon épaule. Et
Et donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et surtout faites des matchs de dodgeball. Ciao.